cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de ce mois d'août. Le soleil est d'abord en lion, hein, comme tous les ans. C'est votre secteur 2, un secteur matériel, mais qui gère aussi vos besoins primaires, votre besoin de confort, votre besoin de câlins, hein, vous serez souvent en demande de câlinothérapie parce que ça vous détendra, ça vous fera du bien, alors que l'ambiance autour de vous sera quand même un petit peu nerveuse, un petit peu agressive. Vous êtes très sensible, hein. Alors même si c'est pas exprimé, si les gens autour de vous sont simplement nerveux intérieurement, mais vous le sentirez, vous capterez, hein, ces ondes, ces vibrations qui jouent avec vos nerfs et qui peuvent même vous inquiéter, provoquer de l'inconfort alors que vous êtes dans une recherche de confort avec le soleil en lion. Après le 22, il sera en vierge. Alors là, vous serez beaucoup plus à votre affaire parce que vous pourrez vous exprimer sans craindre quoi que ce soit et surtout, vous pourrez être un petit peu plus critique que vous ne l'étiez auparavant. Vous aurez besoin, hein, vraiment d'exprimer ce qui vous déplaît, ce que vous avez vu, que vous avez trouvé mal fait ou les nuisances que vous avez pu subir peut-être lors de vos vacances. Du côté des activités, Mars est en Gémeaux tout le mois, c'est-à-dire dans votre secteur 12. Alors, ça ne vous concerne peut-être pas directement. Il y a de l'agressivité dans l'air. Il faut dire que Mars va être conjointe à Jupiter, vous savez, la planète qui amplifie tout, hein. Et tout ça se trouve dans votre secteur 12, un secteur où les autres, le monde en général, vous intéresse davantage que votre petite personne. Donc, vous serez les yeux grands ouverts sur ce qui se passe ailleurs ou autour de vous, hein, mais qui ne vous concerne pas directement. Et je peux vous dire que cette conjonction Mars-Jupiter en Gémeaux, le signe de la parole, hein, de l'expression personnelle, qui va être en dissonance avec Saturne, ça va être un petit peu, un spectacle qui va... qui peut être un petit peu désolant, hein. J'ai l'impression que vous serez sensible au fait qu'il y a des personnes autour de vous ou des groupes même qui ne seront peut-être pas très bien traités ou qui diront des choses méchantes, hein. Il peut y avoir de la méchanceté quand même dans l'air, hein. Avec une conjonction Mars-Jupiter en Gémeaux, les gens peuvent être méchants. Vous trouverez que les gens sont méchants. Du côté des sentiments, avec Vénus en Vierge, à partir du 5, elle est plutôt bien placée, hein, par rapport à vous, elle est dans votre secteur 3, donc d'une certaine manière, hein, il y aura de la complicité dans l'air, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Avec votre chérie, vous aurez envie de... peut-être de vous intéresser de près à l'actualité et ça vous rapprochera. Vous discuterez ensemble, vous tomberez d'accord sur ce que vous observerez chacun. Hein. Disons que vous aurez la même façon de penser et d'exprimer vos pensées. Si vous êtes célibataire avec Vénus en Vierge, eh ben, on peut flirter. Hein. Alors c'est discret, hein. Parfois ça ne va pas très loin, mais un petit flirt est possible et ça vous mettra du baume au cœur, ça vous donnera peut-être envie de retrouver des émotions, ça vous permettra de retrouver des émotions un petit peu adolescentes, comme vous en avez vécu à cette époque. Ne vous jugez pas, ne vous dites pas « oh, je suis ridicule, d'éprouver », parce que parfois ça peut être complètement virtuel, hein, ça peut ne pas être... quelque chose
de réel ou que ça peut se passer dans votre tête. Donc, bon, profitez-en, ne vous jugez pas là-dessus. Le 6, le 12, le 20 et le 26 seront parmi les meilleures journées de ce mois. Bon, d'abord pour être observateur hein, par rapport à la comédie humaine. Et n'oubliez pas qu'on est en Lion, que c'est un signe de comédien. Et ensuite, évidemment, pour être, dans la complicité avec certaines personnes ou alors pour retrouver des proches hein, que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Eh bien, je vous souhaite un très bon mois d'août. Si vous voulez plus d'horoscopes, vous savez ce que vous pouvez faire, hein, consulter nos réseaux sociaux ou nous écouter dans nos lives du mardi et du vendredi, quoique mois d'août, on va peut-être ralentir un petit peu la cadence de manière à pouvoir aussi prendre des vacances. En revanche, on sera là pour les consultations. Donc, si vous avez besoin d'un conseil, d'analyser votre thème, vous pouvez donc prendre rendez-vous. Très bonnes vacances à tous.